Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le guide Chromie, le guide du rework Chromie. La petite Chromimi, toute Mimi, qui est là et qui va. Eh bien, honnêtement, déjà, je peux vous donner. J'avais donné mes impressions sur une analyse de patch note hein, du rework Chromie, mais je trouve le. Alors, on regrette tous la toute première Chromie, mais honnêtement, le rework est intéressant par rapport à ce qu'ils avaient refait suite au changement, suite au nerf qu'avait subi Chromie à la demande d'une partie de la communauté qui était frustrée de ne pas savoir esquiver des skill shots. Et du coup, il y a eu des changements sur Chromie. Donc, tout d'abord, le passif. Donc, fini les serres de bronze de base. Vous avez maintenant Chromie. Donc, toujours les deux talents. Toujours les deux talents, hein. Faut savoir que Chromie prend deux talents avant tout le monde. C'est pour ça qu'au lieu du 1, 4, 7, 10, 13, 16, 20 habituel, eh bien c'est 1, 2, 5, 8, 11, 14, 18. Deux niveaux avant tout le monde, elle récupère ses talents. Mais à côté de ça, nous avons, vous voyez maintenant en dessous, il y a un petit truc. Détonation de pièges temporels déclenche les pierres temporelles. Les pièges, pardon, temporels actifs. Donc tout simplement, eh bien on va commencer par le E, le piège temporel. 32 mana, temps de recharge 15 secondes. Vous avez un piège. D'habitude, il fallait attendre qu'un ennemi traverse le piège. Eh bien maintenant, c'est vous qui devez le réactiver en appuyant sur D. Donc si par exemple, eh bien un allié passe, je peux l'activer pour. Alors. Pour le troller bien entendu, mais aussi en fait ça vous sert de mini ice block en fait. Chromie, si vous avez regardé des tableaux noirs que j'avais fait avec Niarc sur Chromie, et si vous regardez un petit peu avec Niarc, on en parle souvent parce que c'est aussi Niarc qui m'a beaucoup aidé à faire ce guide Chromie parce que moi j'avoue que je suis dégueulasse sur Chromie et je la joue très peu. Mais par exemple, une des choses très importantes à faire avec Chromie, même si je ne joue pas Chromie, je le sais, c'est qu'on voit aussi partout, hein, c'est de poser. Alors les pièges en phase de lane et autres servent à prendre la vision dans les fourrés et autres, mais en team fight comme ça, 100%, on va dire en team fight devant en face à face, le piège va servir. Vous devez rester près de votre piège. C'était déjà ça avant, hein. C'était déjà le cas, et c'est pour ça d'ailleurs que Blizzard a fait ce changement. C'est que ils ont connaissance de ce gameplay, c'est-à-dire que vous allez rester près de votre piège. Par exemple, si un Zeratul vient, bah, boum, il rentrait dans le piège, et à ce moment-là, vous lui mettiez vos dégâts. Et là, bah, ça peut permettre eh bien, d'avoir une espèce d'ice block. La différence, c'est que c'est un ice block qui ne peut pas s'interrompre. Mais bah, c'est une protection supplémentaire pour Chromie. Et ça, c'est quand même vraiment fort. D'un autre côté, ça peut protéger un héros allié aussi. Ça peut mine de rien, l'activation peut fonctionner de plein de manières. Bloquer l'adversaire, ça peut aussi, par exemple, avant le problème c'était que le piège allait forcément être activé si quelqu'un rentrait dans le fourré. Si votre utilité première c'est de garder la vision, bah il y en a un mec qui passe, vous avez la vision, vous l'activez pas et vous attendez qu'il y en ait un autre ou juste tout simplement garder la vision. Pas de besoin de le gaspiller le piège parce que bah, si vous avez un piège dans le fourré et qu'ensuite vous l'activez, bah, pour rentrer dans ce fourré ça va devenir dangereux. Donc il faut attendre, etc. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, enfin, l'idée c'est de mettre de la réactivité, c'est ce qu'on attend dans un MOBA, de pouvoir eh bien, avoir cette flexibilité en utilisant le sort comme on a envie. À côté de ça, Chromie, il y a eu des changements, notamment au niveau du souffle de sable. Et ça, c'est les changements les plus importants, puisque maintenant, ça a toujours été le cas, hein, le Q passait à travers les cibles et ne touchait que les héros. Ce n'est plus le cas sur Chromie, puisque avant, voilà, ça touchait que les héros et ce n'est plus le cas. Et vous le voyez, vous avez également un écho de Chromie qui était avant une récompense de quête et qui a été mis de base maintenant. Donc après un Q spell, Chromie a un petit écho qui fait 50% de dégâts supplémentaires sur ses sorts, enfin sur le A, et ça c'est quand même cool. Alors on va y revenir. Donc toutes les après 0,5 secondes, donc vous avez 0,5 secondes de canalisation, et bien vous envoyez un projectile qui inflige 614 points de dégâts, on est niveau 20, au premier ennemi touché, inflige 50% de dégâts au bâtiment. Donc à l'image de Liming, ils ont réduit les dégâts sur les bâtiments pour pas que ce soit trop fort, évidemment, puisque sinon c'était énorme. Il y a eu des changements aussi sur la vitesse du sort, je vous laisse aller voir la patch note, mais ils ont réduit un petit peu la vitesse du sort par contre. Il prend de l'accélération, on va dire, avec le temps. Et en l'occurrence, donc, ce qui est pas mal du tout avec le souffle de sable, c'est cet écho. Et l'écho met des auto-attaques aussi. Et ça, c'est vachement important. Il met 50% de dégâts supplémentaires, enfin 50% de dégâts en moins, mais il met des auto-attaques. Donc, il crée un écho qui reproduit des attaques de base et souffle de sable de Chromie. Et ça, c'est plutôt cool, parce que bah, faut y penser, mais ça fait des petits dégâts supplémentaires, mine de rien. À côté de ça, donc, on a le souffle de sable, comme on l'a dit, hein, pour Wave Clear aussi, bah, ça aide, hein, mine de rien, ça donne du Wave Clear. Et on a le dragon de sable qui a été totalement modifié, puisque maintenant, bah, vous voyez, c'est une corruption de Gul'dan en fait, en plus gros. C'est une corruption de Gul'dan, hein, tout simplement. Donc, hop, voilà, ça fait trois cercles comme ça. C'est invisible pour l'ennemi, donc l'ennemi ne voit pas où va votre Z à l'ancienne. La différence, c'est que bah, maintenant, en fait, il peut connaître où va être le troisième tir, puisque une fois qu'il a les deux premiers tirs, il sait que le troisième va forcément être après les deux premiers. Donc là par exemple, bah, si je fais ça,
Là, il prend la touche. Il a vu que le deuxième était vers le bas, donc il sait que la troisième sera vers le bas. Mais les deux premiers sont fufu, sont sneaky, puisque si vous touchez avec le premier Z, eh bien le deuxième, on ne sait pas si vous l'avez réorienté vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Donc ça, on le sait pas. Donc il n'y a que le troisième qui est totalement prévisible, mais les deux premiers, eux, sont assez sneaky. Donc voilà, et ça marche bien sûr sur les bâtiments. Hein. Marche sur les bâtiments. Et ça, c'est plutôt cool. Donc positionnement, Chromie garde toujours cet aspect artillerie mobile à distance. Elle a beaucoup plus de wave clear et beaucoup plus utile en siège. Donc c'est ce qu'on attend d'un mage, hein, wave clear siège. Et elle a toujours de la vision aussi. Donc c'est mine de rien, Chromie est quand même lourdement renforcée, notamment sur les maps de zoning. Je pense un petit peu à Volskaya en premier lieu, qui, à mon avis, qui est maintenant la meilleure map de Chromie. On a également Sanctuaires Infernaux, sur lequel Chromie va être loin d'être ridicule, puisque elle peut vraiment tomber les squelettes, elle peut pilonner un petit peu de manière safe, et en siège, bah voilà, accompagner un dominateur de très très loin. Et à côté de ça, vous avez également, et on en a beaucoup parlé avec Nyark, c'est Champ de l'Éternité. Alors oui, elle a pas un race non plus de dingue, mais si vous êtes en position défensive, un petit peu comme une Hammer, je dirais, comme si vous êtes patient, on va dire, et que vous la jouez comme une Hammer, parce qu'en pure race, non, c'est pas terrible. Mais si ça se joue sur le poke, et eh bien à l'image d'une Hammer, vous allez pouvoir pilonner en permanence, défendre votre immortel ou attaquer l'immortel adverse, et là vous allez avoir un très très gros race, mais on y reviendra après. Et donc en pilonnant un petit peu, de toute façon c'est la force de Chromie, c'est le côté artillerie. Braxis aussi, une très bonne map, puisque bah on va facilement pouvoir poser vos dégâts. L'idée c'est aussi de stacker la quête du Q-spell très rapidement, on y reviendra par la suite. Puisque eh bien maintenant qu'on a expliqué tous les changements sur Chromie, on verra les ults aussi, il y a eu des petits changements sur les ultimes. On va commencer par ce que je disais, c'est ma transition, hein, l'Uchronie. Donc toucher 40 euros avec le souffle de sable porte le maximum d'écho actif à 2. Ce qui fait que vous avez 3 Chromie de présente. Je rappelle que l'écho c'est 50% des dégâts d'auto et de Q-spell de Chromie. Ce qui fait que eh bien si vous avez 2 échos, c'est quand même très très fort, puisque ça fait que vous avez bah déjà plus de wave clear aussi, ça améliore tout en fait. Ça améliore tout, on va accomplir la quête. Vous avez 2 échos qui restent en place, et donc, eh bien vous avez énormément de dégâts sur les héros, mais également énormément de wave clear, puisque au niveau 20, vous voyez le Q fait 614 de dégâts, donc ça veut dire eh bien que de base ça fait 307, l'écho fait 307, mais si les deux échos font 307 et que vous faites 614, bah sur juste un héros, on va le faire à côté, mais ça fait quand même des bons petits dégâts supplémentaires, hein, mine de rien. Voilà, hop, on va faire un burst, on va arrêter de taper, on va faire un burst, et même les autos, n'oubliez pas aussi les autos qui fonctionnent. Donc bah, ça peut être très très fort contre des Tracers, contre des Zeratul. Vous avez les échos qui peuvent pilonner si les mecs restent au milieu de vos échos. Vous mettez un sablier, vous restez au milieu de vos échos et vous tapez les mecs, ils vont prendre très cher quand même, hein, ils vont prendre très cher. Donc au niveau 20, juste 3 Q sur un même mec, c'est 1600 de dégâts, hein, 1600 de dégâts, sans compter le Z, donc c'est très très intéressant bien entendu. Au niveau 1, on a également la gardienne du temps, qui est un petit peu plus situationnelle, mais j'évoquais le Kazeratul sur des maps où vous pouvez récupérer très rapidement des globes. Je pense par exemple à Spider Queen, tombe de la reine araignée, et bien vous allez avoir souvent de la vision sur les ennemis. Vous allez également donc collecter, donc je rappelle, l'idée c'est... Vous avez toutes les 25 secondes une zone dévoilée par Chromie, l'endroit où elle veut. Et à côté de ça, collecter 15 globes de régénération. Une fois les 15 globes de régénération collectés, donc 15 globes c'est quand même assez rapide. Sur n'importe quelle map, hein, mais c'est quand même assez rapide. Sauf par exemple sur du Valmody, même 15 globes honnêtement ça se fait sur Valmody. Une fois 15 globes collectés, augmente la puissance des capacités de Chromie de 5%. Donc le A voit ses dégâts augmenter, le Z voit ses dégâts augmenter de 50%. C'est quand même de 5%, pardon, pas 50, 5%, donc c'est quand même pas mal. Sachant que ça fonctionne bien sûr pour tous les échos et autres, hein, donc c'est plutôt cool. Ça ne marche pas juste sur les auto-attaques, ça marche que sur le Q et le Z. Donc la force de la gardienne du temps, c'est l'utilitaire. Régène de mana, vision et des petits dégâts supplémentaires, donc c'est cool. Sachant qu'il y a également l'aspect puissant qui, j'en ai parlé un petit peu avec Nyark, trouve le Z pas terrible, sauf par exemple contre, il me disait sur Sanctuaires Infernaux en fonction de la compo et tout, mais ça peut être intéressant sur Sanctuaire pour pouvoir encore mieux zoner et récupérer les squelettes sur l'adversaire et pilonner vraiment de très loin. Donc faut voir, mais c'est vrai qu'en théorie, de toute façon, l'Uchronie à l'heure actuelle fait énormément, donc l'aspect puissant c'est quand même très situationnel. Niveau 2, alors nous avons l'anomalie d'Andoral qui est quand même très très forte, puisque l'anomalie d'Andoral, bah, ça vous permet d'avoir 3 sabliers actifs en même temps, donc pour la prise d'information sur l'ennemi,
pour pouvoir avoir l'info. À l'heure actuelle, c'est trop fort. Ça vous donne, bah, vous pouvez avoir un sablier dans un fourré, un sablier vers le bas, un sablier sur vous-même et pouvoir vraiment bloquer l'adversaire. Après, attention, il y a quand même un petit effet contre-mécanique là-dessus. C'est que si vous appuyez sur le dé, ça détruit tous vos sabliers. Mais c'est pas un problème. Honnêtement, c'est, enfin, 3 sabliers actifs et en plus, ça réduit le temps de recharge pour pouvoir en poser plus. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment bon. Hein. On le remonte, mais c'est très, très intéressant. Vous voyez, ça revient quand même très, très vite. Et comme vous le voyez, on peut remettre les sabliers. À côté de ça, quand l'anomalie d'Andoral sera légèrement nerf, je pense, ou alors les autres seront up, eh bien, il y a quand même la relativité qui est pas mal aussi, puisqu'à la fin de la stase, la vitesse de déplacement des ennemis affectés par le piège diminue de 25% pendant 3 secondes. Celle des alliés, elle, par contre, augmente de 25% pendant 3 secondes. Donc il y a un peu le côté support ici aussi, c'est-à-dire, et sur vous-même, hein, ça fonctionne sur vous-même. Donc pour gagner un peu de la mousse speed à la sortie de la stase, le mec a ralenti à la sortie de la stase aussi, donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors je rappelle, le Z hein, va également wave clear la vague de sbire. Donc ça c'est toujours intéressant, évidemment. Et enfin, le défaut d'armure à la fin de la stase, l'armure des ennemis affectés par le piège diminue de 20 points pendant 3 secondes. Celle des alliés augmente de 20 points pendant 3 secondes. Ça peut être pas mal contre potentiellement de la... Je vois bien ça contre des Tracer, des Eratul ou des Sonia, des trucs qui vont aller hard dive, qui vont vraiment mais plonger sous les lignes pour essayer de vous tuer. Ça peut être intéressant, mais je pense quand même que l'anomalie d'Andoral est meilleure, mais pourquoi pas. Après, les deux autres sont juste, c'est pas mauvais, c'est juste que l'anomalie d'Andoral c'est trop fort en termes de possibilités que ça offre à Chromie. Mais la relativité et le défaut d'armure ne sont pas nuls pour autant. Niveau 5, contrairement, donc niveau 7, contrairement par exemple à d'autres talents, on va voir, mais il y a honnêtement, le niveau 7 de Chromie, ça joue sur deux talents. Le partir du bon pied, infliger des dégâts à un héros adverse étourdi, immobilisé ou ralenti, augmente les dégâts de 25% pendant 5 secondes. Et c'est aussi pour ça par exemple que le slow peut être cool, mais vous n'avez pas besoin de ça honnêtement pour le rentabiliser. On le verra au niveau 10 avec les sables enlisants, mais dès qu'un ennemi est ralenti, stun ou root, eh bien vos dégâts sont augmentés de 25%. Ça c'est quand même très fort, surtout que c'est pas marqué puissance de capacité contrairement au niveau 1 par exemple, c'est dégâts, donc les autos font plus mal, les autos des échos font plus mal, le A, le Z, tout fait plus mal, et 25% de dégâts supplémentaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, 25% de dégâts supplémentaires. Donc à partir du bon pied, c'est un énorme burst sur Chromie. Ça force un petit peu de partir sable enlisant, mais par exemple vous êtes avec Arthas, GG wellplay quoi, c'est vraiment trop fort. Donc partir du bon pied, moi je trouve ça génial. Sinon vous avez les serres de bronze. Serres de bronze qui ont pris un petit nerf, mais d'un autre côté qui sont cool aussi. Toucher un héros avec le souffle de sable augmente les dégâts d'attaque de base de 30% pendant 5 secondes. Ça marche aussi sur les échos, et c'est ça la grande force. Mais les serres de bronze avant c'était un niveau 2, ça avait été mis de base. Pour moi maintenant que c'est un niveau 7, donc un niveau 5, je trouve ça nul que ça n'augmente pas quand même un petit peu la portée des auto-attaques de Chromie. Ça devrait quand même au moins, alors pas permanence contrairement à l'ancienne Chromie, mais que si vous touchez sur le Q-spell, bah, la prochaine auto-attaque de Chromie, bah, elle est renforcée. Voilà, tout simplement. Parce qu'à l'heure actuelle, je trouve que c'est un petit peu faible, les serres de bronze. Mais si vous êtes obligé de partir sur le loop et que vous avez une équipe qui n'a pas non plus des milliards de CC, bon, ok, le partir du bon pied peut ne pas être intéressant. Et du coup, serres de bronze est pas mal. Résurgence draconique. Alors, j'en ai parlé avec Niark et on était d'accord, c'est vraiment de la merde. Toucher un héros avec le dragon de sabre réduit son temps de recharge de 1,5 secondes et rend 40 points de mana. Honnêtement, même quand Niark prend le ZO1, etc., il prend jamais la résurgence draconique. C'est pas bon. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas assez bon. Et même si vous partez sur un build Z hein, avec le ZO1, c'est pas rentable, autant partir du bon pied et vraiment avoir un énorme burst sur le Z avec les dégâts supplémentaires du Z qui vont bénéficier des 25% de dégâts supplémentaires tout simplement. Donc, et même les serres de bronze ça reste des dégâts supplémentaires, donc résurgence draconique moi je n'aime pas du tout. Donc partir du bon pied, niveau 8, alors ça va jouer entre deux talents. Attention quand même, le loop a certes maintenant un temps de recharge de 50 secondes, donc il offre toujours des capacités de pouvoir tuer un mec, mais ça dépend un petit peu aussi de votre équipe on va dire. Si en face il n'y a pas de purif et que vous avez une compo qui peut très facilement punir quelqu'un qui s'est fait loop, ouais, le loop est fort, le loop est très fort. Mais le loop, il y a un petit point qui est cool aussi, c'est qu'après 3 secondes il était porté à l'endroit où il se trouvait au lancement de la capacité, donc ça c'est normal, mais les capacités de base se rechargent 500% plus rapidement dans les 3 secondes qui suivent l'utilisation de la boucle temporelle. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Alors pourquoi ce up du loop? Tout simplement parce que bah, maintenant le Z c'est pas un énorme burst à un endroit, ça synergise moins avec le loop, puisque vous faites un loop, votre Z bah, il disparaît. Donc là par exemple, alors, le loop a pas une range de dingue hein, bien sûr,
Mais en fait, là, l'idée, c'est que on va essayer de toucher avec le Z en sortie de loop. Mais donc, les dégâts, comme vous l'avez vu sur ce loop, sont pas dingues, contrairement à l'ancienne chromie qui pouvait loop et instantanément tuer quelqu'un. Donc, ça dépend un petit peu plus de votre équipe et de l'équipe d'en face pour savoir si vous allez partir sur le loop. Sinon, on préférera partir sur les sables enlisants qui vont permettre d'être très cancer et de faire proc en permanence votre niveau 7. Et ça, c'est très très fort. Puisque de toute façon, même si voilà, on touche et derrière, bah, vous voyez, même les autos font des dégâts supplémentaires. 25% de dégâts supplémentaires sur n'importe qui, parce que même si j'ai touché le héros, bah c'est pas grave. Je viens de toucher un héros qui était sous les sables enlisants, bah derrière, j'ai tout simplement 25% de dégâts supplémentaires, même en siège, même en sbire et autres. Donc ça, c'est plutôt cool. À côté de ça, vous avez au niveau... Alors le niveau 11, le niveau 13, ils ont viré le bye-bye, mais c'est pas plus mal parce que maintenant on a des super paliers pour Chromie. Donc toujours le hors du temps qui reste très fort, la stase, vous allez me dire, oui, mais maintenant il y a la stase du sablier. Vous pouvez avoir deux stases. C'est énorme, deux stases. Vous allez avoir deux stases et n'oublions pas que le hors du temps, bah c'est trop fort. Genre un tombeau de Léoric. Léoric est très fort contre Chromie. Bah là, hors du temps, et vous temporisez la fin du tombeau ou autre, et c'est très 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 intéressant. Et on n'a jamais trop de stases. Et puis celle-là, elle peut s'interrompre quand vous voulez. Et ça, c'est quand même vraiment fort. Donc l'heure du temps, toujours aussi fort. Maintenant, on a le ici et là, qui était un bon talent aussi hein, avant, une espèce de petit blink sur l'écho. Attention à bien gérer du coup vos échos pour pouvoir revenir, hein, sinon c'est compliqué. Mais avant, en fait, bah, il fallait remplir la quête, sinon c'était pas terrible. Maintenant, vous avez forcément l'écho de base, donc c'est plutôt cool. Mais attention à ne pas vous rater, on va dire. Attention à ne pas vous rater, à bien anticiper où est le mec. Alors le lancement, un petit truc aussi. Si vous appuyez, c'est pas un cercle démoniaque de Gul'dan, ça ne marche pas comme un cercle démoniaque de Gul'dan. Là par exemple j'appuie, ça ne marche pas. Il faut sélectionner le clone sur lequel vous allez être, puisqu'il y a potentiellement double écho. Je vais mettre l'accomplir des quêtes. Vous avez potentiellement deux échos, donc ils ont fait ça parce que bah voilà, là si j'appuie, je sais pas sur quel écho je vais mettre. Donc on peut choisir l'écho sur lequel on va, et ça c'est vraiment cool. On peut choisir l'écho sur lequel on va se TP, et ça c'est vraiment très intéressant je trouve. Donc le ici et là peut être très intéressant pour vraiment échapper encore plus à l'adversaire. Et enfin, mais attention, il faut avoir une bonne vision de jeu pour savoir où vous allez. Enfin, parce que si vous faites n'importe quoi et que vous avez vos trucs là, bah bon, après ça peut toujours servir de mini blink, hein, mais attention quand même à l'utilisation. Donc l'heure du temps reste très fort, mais le ici et là est également excellent. Mais ça vous demande juste de gérer votre positionnement et d'avoir peut-être par exemple un écho toujours un petit peu éloigné par rapport à vous. Mais ça veut dire plus dur de toucher aussi l'adversaire. Donc il faut y penser, il faut y penser. Et enfin la vitesse nominale qui est vraiment pas mal si vous manquez de sustain dans votre composition. Par exemple, vous avez une compo sans support, je sais pas, bah c'est de la sustain ou vous êtes en QM tout simplement. Après avoir lancé le souffle de sable, la vitesse de déplacement de Chromie augmente de 20%, donc quasiment une vitesse de monture, et la régénération de points de vie et de mana augmente de 200% pendant 3 secondes. Donc ça c'est une énorme, contre du dive et tout c'est vraiment fort. Après contre du dive l'heure du temps est génial hein. Mais si vous manquez également de support et de soins, bah, ça peut être très très intéressant. Ou si vous êtes par exemple avec un support comme un UTR par exemple, ça peut être compliqué. Alors priorité toujours hors du temps, mais bah, par exemple la vitesse nominale peut être un petit peu cool, voilà, à ce niveau là. Enfin on a le niveau 16, il y a deux talents au niveau 16 qui vont s'affronter. Vous avez la surcharge quantique pour augmenter encore plus le burst. Avec le sable enlisant par exemple, vous avez les 25% de dégâts du niveau 7, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, vous avez les dégâts supplémentaires de ce niveau 7. Donc la surcharge quantique peut être très cool sur un burst. Ça marche très bien avec le loop aussi, mais ça marche en burst par exemple. Le sable en lisant aussi, un petit point que j'ai pas évoqué, mais donc on le rappelle, ça dure potentiellement indéfiniment tant que vous l'avez pas claqué. Ça consomme du mana, mais le problème c'est surtout qu'en fait, pour l'adversaire, hein, je parle du problème, c'est pour l'adversaire, c'est que il peut pas sortir du sable facilement et que ça garde une zone sur Volskaya, sur Sanctuaires Infernaux. On parlait justement de zones de non-droit, on va dire, de zones qu'on peut protéger. Et bien voilà, sur Volskaya ça couvre la moitié de la zone quasiment, donc c'est très très facile de le faire proc. Sur d'autres maps le loop va être plus intéressant, et par exemple sur Braxis aussi, ça va être sur le point où il y a sur le point voilà de contrôle des ergs, bah, ça peut être très intéressant sur une porte et autres, ça peut vraiment être cancer. Après le loop reste toujours très très fort aussi hein, bien entendu, mais sur les maps voilà, à contrôle de zone, c'est vrai que le sable enlisant est quand même super intéressant. Donc là au niveau 14 par exemple, sur un loop mais également un sable enlisant de zone comme ça, et eh bien la surcharge quantique peut être très forte. Vous prévoyez qu'ils sont tous dans la zone, bah bam, 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 on continue, on harcèle, on détruit tout. Sinon vous avez le sable changeant, touche un héros adverse avec le souffle de sable augmente la puissance de capacité de 8% pendant 10 secondes jusqu'à un maximum de 40% qui synergise encore une fois avec le partir du bon pied. C'est pour ça aussi que le partir du bon pied est génial, il scale avec tout, donc c'est vraiment très fort. Donc soit un peu plus dans l'idée de poke et à ce moment là sable changeant, soit plutôt dans l'idée de burst et surcharge quantique, c'est à vous de choisir entre les deux. Retour anticipé,
Non, jouez pas ça. Jouez pas ça, les deux autres sont trop forts. Sable, donc le retour anticipé, si le souffle de sable touche un héros après avoir parcouru au moins 70% de sa portée de base, son temps de recharge est ramené à 0,75 secondes. N'oubliez pas que ce talent a été énormément nerf, puisque maintenant le talent, enfin le Q s'arrête à la première cible touchée, donc un scarabée Danube, bah boum, ça détruit ce truc. Donc en plus le retour anticipé est pas terrible. Donc niveau 14, on va dire sable changeant ou surcharge quantique, on va mettre sable changeant, mais les deux sont très bien. Niveau 18, alors nous sommes le 13 mars 2019, il y aura probablement un nerf de ce talent qui à l'heure actuelle est beaucoup trop fort. C'est la bénédiction du vol de bronze et le fonctionnement est débile, c'est un passif. Je ne sais pas ce qu'avait fumé le développeur et Blizzard le jour de la réunion en mode « Hey, si on faisait une espèce de mini nanoboost qui dure indéfiniment et c'est un passif, c'est même pas un activable, ça coûte pas de mana, c'est rien. » Et sur toute la carte, le mec qui est à l'opposé de la carte, il bénéficie du bonus. Et en plus, ce qui est bien avec Chromie, c'est que t'as ton palier 20 de niveau avant. En fait, c'est l'ancien niveau 30 de Chromie. On rigolait dessus et il a été mis niveau 18. Donc il n'y a pas de niveau 30, hein, c'est pour rigoler. Mais du coup, tant que Chromie est en vie, sa vitesse de déplacement et celle de ses alliés augmente de 10%. En outre, ses capacités de base ainsi que celle de ses alliés se recharge 30% plus vite. Je sais pas ce qui lui aurait passé par la tête. Et ça synergise avec toutes les réductions de CD, hein, de, par exemple, un Falstad qui a la portance et le courant G, bah il bénéficiera aussi du vol de bronze. C'est n'importe quoi. Je comprends pas dans la, comment Blizzard a pu se dire ah, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Bah non. Mo speed plus réduct tant que Chromie est en vie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est. Moi je pense que comment ils doivent le rework, c'est. Soit faire un activable mais qui boosterait par exemple le 30% serait 100 à 200% mais pendant 5 secondes, quelque chose comme ça, un petit peu à l'image du loop de Chromie on va dire, mais pendant un court laps de temps, ou alors autour d'elle, avec un activable encore une fois, autour d'elle, les mecs qui sont autour d'elle, boum, ils gagnent un bonus, un petit peu à l'image de l'élimination des arcanes de Medivh, sauf que là ce serait, je sais pas, l'illumination du vol de bronze, et bam, paradoxe temporel, ou un truc comme ça, il l'appelle comme ça, et paf, c'est un activable pendant un petit court laps de temps, ça augmente de... Enfin, mais tu peux pas faire ça en global, à l'opposé de la map, de manière passive, c'est complètement ridicule, c'est complètement débile. Enfin bon, voilà. Sinon, il y a un autre talent qui est très très fort, c'est le sable perforant. Souffle de sable transperce tous les ennemis touchés, et ça, vous vous rendez compte, tous les ennemis touchés, ça veut dire eh bien que ça touche toute une vague de sbires. Et là, le wave clear est énorme. Le wave clear est absolument monstrueux. Imaginez en dégâts sur Volskia ou Sanctuaires Infernaux, vous remettez tous les squelettes. Vous faites également des dégâts. Vous faites proc plus facilement vos sables changeants. Enfin, votre partir du bon pied. Vous avez tout qui fonctionne très bien. Donc, c'est vraiment excellent. Le sable changeant fonctionne aussi plus facilement. C'est monstrueux. Donc, tant que le. Parce que même à l'heure actuelle, avec la bénédiction du vol de bronze, sable perforant reste fort. Donc, à l'heure actuelle, on est juste obligé de prendre. Même Nyark me disait, ça me casse les couilles. Des fois, j'aimerais prendre sable perforant, mais bénédiction du vol de bronze, c'est juste trop fort et je suis obligé de le prendre. Donc, vivement un nerf. Et ensuite, eh bien, sable perforant deviendra le vin monstrueux de Chromie parce que c'est déjà monstrueux. Par exemple, sur Volskaya et autres, c'est monstrueux. C'est nimp. Regardez-moi ça. Voilà, je mets. Le wave clear qu'elle a, les dégâts sur le siège. Et Volskaya, imaginez les 5 regroupés. Bam, bam, ça enchaîne. Ensuite. On a le délitement, toutes les 0,25 secondes, l'armure anti-sort des héros adverses ralentie par les sembles en lisant diminue de 2 points jusqu'à une diminution maximale de 30 points, donc une vulnérabilité magique, donc de dégâts magiques, renforcée de 30%, donc ça synergise encore une fois très bien avec le partir du bon pied, avec les dégâts supplémentaires et tout, donc ça fonctionne très 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 bien. Si vraiment les ennemis sont tout le temps perturbés par les sables en lisant, bah à ce moment-là ça peut être très intéressant de partir sur le délitement, mais encore une fois bénédiction du vol de bronze, faudra attendre le nerf parce que là à l'heure actuelle c'est trop fort, mais dans le futur pourquoi pas. Délitement quand ce sera nerf, la bénédiction du vol de bronze, si vraiment les ennemis sont beaucoup perturbés par, si vous voyez que vos sables font vraiment le café, là ça peut être fort, mais sinon sable perforant c'est trop fort. Et double boucle c'est très situationnel, mais si vous avez le loop, en fait le premier loop échoue, bah vous avez une deuxième possibilité. Et en late game par exemple, vous mettez un loop, le mec se fait tuer, et s'il se fait pas tuer, bah de nous il revient, vous avez une deuxième chance on va dire pour pouvoir le tuer. Et en late game bah ça c'est vachement fort évidemment en late game, puisque ça vous permet eh bien potentiellement, ça vous permet tout simplement d'avoir la possibilité de tuer quelqu'un et de s'offrir un 5v4, hein. Donc c'est quand même pas dégueu, mais bah, faut déjà être parti loop, qui à l'heure actuelle je pense est un petit peu moins fort, et bon, vous privez d'un autre niveau 20 qui est quand même très très bon, donc un petit peu plus en guérilla et autres, mais voilà, le double boucle un petit peu plus situationnel. Donc voilà pour ce qui est de Chromie, petit rappel, mais si vous avez l'habitude de jouer Gul'dan, Chromie c'est pas mal, le nouveau Z est vraiment pas mal, et moi j'aime beaucoup, franchement la nouvelle Chromie est super,
enfin je la trouve très intéressante quand même. Donc les talents on leur montre, Uchronie, Anomalie d'Andorral, Partir du bon pied, Sable enlisant, Le Hors du temps, Surcharge quantique ou Sable changeant, on va dire Sable changeant, mais la Surcharge quantique est très forte. Et enfin Bénédiction du Vol de Bronze à l'heure actuelle en attendant le nerf pour pouvoir jouer Sable perforant. Donc voilà pour ce qui est de Chromie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, Chromie, il y aura peu de vidéos de gameplay malheureusement dessus, je la joue pas la petite louloute, mais je vous invite à regarder les replays, j'essaierai de mettre ça sur YouTube, mais n'hésitez pas à regarder le stream quand je joue avec Nyark très souvent. Là en ce moment il joue beaucoup Chromie et il kiffe, donc je mettrai des vidéos de team où justement il y a de la Chromie aussi, ça sera l'occasion de voir un petit peu Nyark en action sur sa petite chrominette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de guide vous aura plu. Il y a un guide écrit qui arrivera, hein, mais pour le moment il n'est pas dispo, mais il arrivera bien entendu. Et voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, on se fait plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des observations, autre chose dans les commentaires, bah ça sert à ça. Donc n'hésitez pas, ça augmente la visibilité de la vidéo, donc n'hésitez pas. Je fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Voilà. Soyez gentils. Soyez gentils. Tout est dans la description.